j'avoue. Ah, des étoiles. Non, par contre, c'est naturel le truc, hein. Mettre des trucs de pompon girl. Mon dieu, qu'il est moche. Mettre des petites plumes aussi. Ah, j'en ai déjà 5. Ok. Ok, en fait, je pensais que c'était stylé, mais pas du tout. Alors, très bien, merci pour votre patience. Commençons l'épreuve de style. Concurrent numéro 1, Gaston. Gaston participe au concours avec Choupi. Un chat crippant. Ah, il est stylé. Il y a 3 cœurs qui sont. Concurrent numéro 2, Olga. Olga participe au concours avec Rapido. C'est un Lixi, je crois. Ah, d'accord. Ah, il y a 4 cœurs, putain. Je vais avoir combien de cœurs, s'il te plaît. Jacou, Jacou participe avec Ou. Qui a un Houtout. Oh, il est stylé, putain. Concurrent numéro 4, Narcisse. Narcisse participe au concours avec Winnie. Trois cœurs. C'est l'heure de l'épreuve de danse. Tout le monde est... What? On m'a pas dit que j'allais danser. L'épreuve de danse va bientôt commencer. Nos concurrents pourront-ils suivre la chorégraphie pour faire des... Ok, danseur, envoyez la musique. Comment on fait? Comment on fait? Ok, saut gauche devant droite. Je suis trop fort. Ok, devant, devant. Il y a un con qui a réussi à faire droite, quoi. Swag Winnie. Swaggy Winnie. Bleu, bleu. Bleu. Oh, je suis le meilleur, là. Là, je suis le meilleur, là. Putain, ça va être chaud. Putain, j'ai raté. Attends, c'est pas moi qui a fait jaune avant, en fait. Fuck. Swaggy Winnie. Ok, hop, 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 hop. Putain, j'ai pas... Ah. Bien, bien. RPZ. Exister 3 pas comme pour une danseur. Ça va être compliqué pour eux, je pense. Yeah, ils ont raté le deuxième. Ouais, les losers, quoi. Bon, je crois que c'est fini. Je crois que j'ai gagné. L'épreuve de danse est terminée. Pour le moment, Narcisse est en tête. Est-ce que la situation peut changer avec l'épreuve de comédie? Ils sont relous avec leur épreuve. Ok, c'est l'heure de l'épreuve de comédie. Montrez-nous des capacités d'une intelligence exemplaire. 4 capacités chacun. Un peu d'enthousiasme. D'enthousiasme. Intelligence. Je crois que Coupe, c'est pas mal intelligent. S'il passe en dernier, plus 2. Moi, je passe en premier, en fait. Alors, attends, 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 attends. Denis. Winnie exécute coupe pour Denis. Rapido exécute charge pour Karine. Karine Bezzera. Quoi? Chargeur, pardon. La capacité d'intelligence a fait monter le voltage de Karine. Oh la salope. Oh non. Oh, exécute choc mental pour Karine. Oh non, quelqu'un est déjà passé avant ce juge. Devant ce juge. La capacité d'intelligence a fait monter le voltage de Karine. What? What? Choupi exécute feinte pour Germain. Space quand même comme truc, hein. Passe en dernier. Waouh, l'enfoiré a fait monter le voltage de Germain. Les capacités de Rapido et Ouhou ont beaucoup impressionné Karine. Plus de... Waouh, les bâtards. Le Choupi a beaucoup impressionné. Les Germains gagnent plus 3. Waouh. Ah, quand même. Ouais, je suis quand même un loser, quoi. Beaucoup attiré l'attention. Au prochain tour, les concurrents au score le plus bas passeront en premier.
Ordre. Pour qui? Pour Karine, tiens. Ah, nickel. Rapide exécute Crow éclair pour Denis. Rapide obtient plus 3 grâce. Oh, l'enfoiré, l'enfoiré, l'enfoiré. Ouh, dévore rêve. Oh non, quelqu'un déjà passé devant celui. Le voltage. Oh putain, c'est rendu la merde. Ah, d'accord. J'ai un dit. Non. Win exécute danse folle pour Karine. C'est nul! Un griffe. Oh non, quelqu'un déjà passé pour moi. Ah, merci, quand même. Par contre, Rapido et Olga, ils me font un peu chier, là. D'après, je passe en deuxième, merde. On va refaire coupe. Pour Karine. Coupe. Swag. Sang froid avait baissé le voltage de... Je suis mauvais, en fait, hein. Choc mental pour le germain, le pauvre. Capacité de choupi, hein, on a impressionné Germain plus 1. A beaucoup impressionné Karine, plus 3, yeah. Prochain tour, les concurrents au score le plus bas passeront en premier. Yes. Plus 2, éclat rock ou ultima point pour Germain. Ou exécute vos rêves pour Karine. Fuck. Rapide exécute chargeur pour Denis. Choupi utilise combo griffe. Et moi, j'utilise ultima point. Oh non, quelqu'un est déjà passé pour. Oui, bah ça va. AP plus 2 parce que swag. Plus 2. Yes! Capacité de rapido a beaucoup imprégné de Denis, plus 3. Donc je suis en tête. Le jugement est désormais terminé. Est-ce que Swaggy Winnie va fonctionner? Est-ce qu'il va gagner la place? Quel Pokémon va être couronné vainqueur? Je vais annoncer les résultats. Il est temps désormais d'annoncer le résultat des épreuves. Tout d'abord, les résultats de l'épreuve de style. Putain, Olga, voilà. Résultat de l'épreuve de danse. Normalement, je passe devant. Yes. Et maintenant, les épreuves de je sais plus quoi. Enfin, les résultats. Voilà, l'épreuve de comédie. Yes. Domination. Champions. Merci, yeah, bah bien sûr que je gagnais. Swaggy Winnie est le plus fort, bien sûr. Hop là, Swag. Félicitations! Découvrons notre gagnant, Winnie de Narcisse. Et Narcisse. Notre vainqueur gagne le ruban intelligence. Vitef Jacou. Nous attendons avec impatience le prochain concours. Ok, bon, au final, c'est pas très intéressant. Ah, Nevers. Ah, c'est, ouais, c'est pour l'accessoire. Ouais, bon, pas de sitôt en tout cas, c'est juste pour montrer aux gens. Ah, du coup, je vais mettre le ruban intelligence si je l'ai. Ruban intelligence, est-ce qu'il est là? Ah, ils m'ont pas donné mon. Ah, c'était peut-être aléatoire. Enfin, du coup, j'ai eu le petit ruban quoi. Salut. J'ai vécu en ermite dans les montagnes pendant. J'ai eu le temps d'élaborer un pas de danse pour remporter les concours. Super ta vie, mon gars. Alors, est-ce que c'est par là? Non, là, par là, on sort. Hop, sur mon vélo, ma gueule. Je vais voir ici.
Ah, l'esprit et la matière, rien de bon ne peut advenir si l'un n'est plus fort que l'autre. L'équilibre est indispensable, c'est la clé. Bla bla bla. Bon, avec les vieux ici, de toute façon. Hop là. Alors. Ouvert à tous les... Ah, fan club Pokémon. Normalement, si tu montres certains Pokémon... Bonjour, bonjour, comment dire, comment vont les affaires? Je suis président du fan club Pokémon, eh oui, c'est bien moi. Quelle sucrerie, comment dire, offres-tu à tes Pokémon? Pour ma part, comment dire, je leur donne des Puffins. Et comment diras, tu te demandes peut-être pourquoi je fais ça? Parce que Donania, c'est une belle preuve d'affection. Exemple, si je donne un Puffin sucré à un Pokémon, il devient plus gracieux. Autre exemple, si... Blablabla. Ok, d'accord. Je t'encourage à les remplir de puffins pour les dispenser généreusement à tous tes Pokémon. Ah, je pensais que ça allait être plus intéressant. Bonjour, je travaille pour Félicité. Avez-vous du temps pour une interview rapide? Oui. Merci beaucoup. Alors, nous ne perdons pas de temps. Votre Fionn est très sympathique, n'est-ce pas? Puis-je savoir avoir vos impressions sur votre Fionn? Ouais, bien sûr. Je vais laisser un mot, une expression. Fuck. Ah, d'accord. Vie quotidienne. Politesse. Aïe, aïe, aïe. Aucune idée. Et je confirme parce que j'ai rien compris. Merci d'avoir partagé vos impressions avec nous. Cette interview sera diffusée très prochainement dans nos programmes. Alors, allumez la télé et regardez. Ouais, bon, on va te faire foutre parce que c'était un peu de la merde en fait. Alors, l'arène Pokémon est là. Salut toi, comment ça va, dresseur? Ta présence ici me dit que tu as l'intention de défier le champion. Sans vouloir jouer les rabat-joie, ça ne va pas être possible. Tu te demandes pourquoi? C'est bien simple, elle n'est pas là. Mais ne t'inquiète pas, hein. Elle est à la salle des concours. Reviens plus tard, d'accord? Je te rendrai ici. J'arrête pas de me servir de mon cher GBS grâce à lui. Je me suis battu plein de fois contre un étrange dresseur, du coup. Au bout d'un moment, elle m'a demandé si j'avais le béguin pour elle. Alors, on va essayer le truc VS, justement. Alors, c'est après. Cherche VS. Il n'y a pas de dresseur aux alentours pour combattre. J'ai pas trop compris. Alors, la salle des concours. On va aller à la salle de concours pour voir ce qui se passe. Ce serait pas elle par hasard? Ouais, c'est elle. Oui? Je te demande pardon? Ah, yes! Tu es là pour le concours, non? À ce propos, Kimerkira, le champion d'arène d'Uniopolis, participe aussi au concours. Elle est, comment dire, très fantastique. Kimera, c'est moi, of course. Voyons, toi aussi tu as l'air very curious. Oh well, soit. J'attendrai pour toi, la reine. Bah, on a une sorte de Nelson Montfort slash dresseur féminin. C'est un peu étrange. Hop, on laisse la faire. Salut toi. Comment ça va, futur maître? Laisse-moi te dire que cette arène n'est pas de la tarte. C'est pas de la tarte. Pourquoi? Je t'explique. D'abord, elle est plongée dans le noir. Ou pas d'inquiétude à avoir, j'ai une lampe torche pour toi. Sache que les dresseurs à l'intérieur ont non chacun une aussi. Si le faisceau de ta lampe en croise un ou l'inverse, le combat commence. Autre détail qui a son importance, il y a un truc avec les dalles au sol. D'abord, trouve la dalle bleue. Mémorise le symbole gravé dessus. Ensuite, cherche la porte rouge. Arborant le même symbole. Avance dans l'arène sans te tromper de porte et tu atteindras le champion. Alors si tu prends la mauvaise porte, tu reviendras à l'entrée. Voilà, c'est tout. Fonce, futur maître. T'appelles déjà maître. Alors je crois que c'était pas par là par contre. Oh, faut que ce soit cette arène de ouf. Ah, ça c'est Wild Key. Ok, ça c'est pour revenir au tout début de l'arène. Donc je vais passer par la porte. Alors... Ah d'accord, j'avais pas compris le truc, d'accord.
Alors c'est un rond, faut que je prenne donc la porte rouge rond.